Et comment ils étaient quoi la pédale? Il a été visiter une ville. Ouais. Il a été à la ville de Bondy, vous savez, à côté de la gare de Bondy. De qui vous parlez là? Monsieur Tollet, le maire. Vous ne connaissez pas le maire de Gagny? Il va visiter la ville de Bondy. Puis à l'aréna, il parle et il a dit: oh, j'ai jamais vu une gare si sale à la ville de Bondy que Gagny, et que Gagny, l'ouvrier qui travaille à Gagny, c'est 100 fois plus propre. Oh, je peux vous dire que quand il a dit ça, moi, il parlait sur moi. Hein. Il n'a pas dit mon nom, mais il a parlé sur moi. Et il a dit: j'ai jamais vu une gare, la gare de Bondy si dégueulasse que la gare de Gagny qui est plus propre qu'une gare qui est sur Bondy. Et vous nettoyez quel secteur? Moi, ouais, c'est ce secteur. Ce secteur-là, ouais, là, ce secteur qu'il y a là, à l'autre côté, là. Et après, je fais les deux trottoirs de l'avenue Georges Aurès. Ah, c'est bien. Ah oui, mais je ne peux pas faire tous les secteurs, hein, parce qu'au balai, c'est dur. Hein. Surtout dans cette chaleur-là. Non, mais en mois de septembre, ouais. En mois de septembre, si vous revenez, vous pourrez me filmer, j'aurai l'aspirateur. Oh, c'est super, ça. Ah ouais. Là, avec l'aspirateur, je peux vous dire quand il avait acheté les deux premiers, bon, les deux premiers, c'était pas de ma faute. Quand vous ramassez des cigarettes qui sont allumées, ça fout le feu dans la parraine. Ouais. Puis moi, je m'en étais pas aperçu, j'en ai brûlé deux comme ça à Gagny, sans faire exprès. Bah oui. Mais moi, j'ai dit à M. Tollet, c'est pas moi qu'il faut engueuler, c'est les gens qui crantent pour leurs cigarettes. Bien sûr. Moi, je suis obligé d'aspirer les mégots. On ne peut pas savoir si les mégots sont écrasés ou pas du tout écrasés. Hein. Attendez, il y a une voiture qui est allée. Ouais. Et ce jour-là, avec le premier aspirateur, il m'avait photographié sur le lit de Gagny. Vous savez, les lits de Gagny, avec l'appareil. Alors, j'ai dit à M. Tollet, quand je vais recevoir le nouveau, est-ce que ce sera pareil? Est-ce que je serai sur le lit de la ville de Gagny avec le nouveau appareil? Ça sera peut-être bien sûr, M. Jean-Louis, ça sera peut-être bien sûr, ça sera peut-être sur le lit de Gagny. Bon, alors là, je vais vous laisser parce que je vais continuer, parce qu'il va être bientôt midi, puis je vais rentrer. Il faut que j'aille à la soupe. Bon, bah écoutez, bonne journée. Et ouais, puis, comme bon. Ça, vous m'avez filmé, vous parlez de ça à vos enfants quand vous allez. Ouais. Ah, c'est pas grave. Bonne journée, puis bon courage, monsieur. Ouais. Au revoir.